Salut tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Call of Cthulhu pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons erré dans l'hôpital psychiatrique. On a réussi à la fin à s'échapper de justesse. On est actuellement avec Bradley et Colden et on se dirige vers le manoir Hawkins. C'est le chapitre 6. Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'Institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. En errant dans les couloirs de cet endroit, où le docteur Fuller règne en maître, Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Saunders. Avant de mourir, sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden. Les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. On a certainement beaucoup de questions à poser à Bradley, puisque je vous rappelle que Bradley est censé être mort. Donc, pour l'instant, pourquoi il est encore là? Enfin, c'est un bordel sans nom. On va, je pense, devoir parler un peu. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est Cthulhu! C'est Cthulhu! Il est là, il est beau! Il est incroyable. Bon, sans douter, hein. Encore une fois un cauchemar. Et on se retrouve du coup dans le manoir Hawkins. Encore ce cauchemar. J'ai besoin d'un verre. Non, non, t'as pas besoin d'un verre, mais non. Va pas boire, ça va encore empirer. Très bien. Donc cette fois-ci, une ambiance un peu différente de la première fois où on est venu dans le manoir Hawkins. Cette fois-ci, il fait jour. Et complètement jour. On a l'officier Bradley du coup et Mary Colden en bas. On va aller les voir. Il fait totalement jour. C'est bizarre de venir du coup dans le manoir en pleine journée. Bon, j'ai besoin de réponse. Pourquoi t'es encore en vie? Je me sens pas vraiment bien. Bon. Alors. Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Mais attendez, vous avez vu ce qu'il est en train de faire, Fuller? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, déjà, on a une réponse grisée. Oh non, occultisme, score insuffisant. Sarah Hawkins fait l'objet d'un culte. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas du coup choisir cette réponse. Donc, on peut parler à Bradley, on peut parler à Colden. On va d'abord parler à Bradley, tiens. Alors, vous devriez être mort. Mais je peux même pas sélectionner cette réponse aussi. Score insuffisant en médecine légale, eh ben dis donc. Vous et le docteur Colden. Maintenir pour tester psychologie. On va tester ça. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. D'accord. Vous avez pourtant vu Charles vivant? Donc là, on va lui parler de Charles Hawkins qu'on avait vu dans le tunnel. Vous vous rappelez? C'était un des membres du culte. What I'm sure of now is that the Hawkins case. Ah bah maintenant on en est sûr. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what ah bon? He would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. Ah bah tiens, on en parle enfin. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Mais don't you have anything more concrete, Pierce? Mais du coup, Bradley ne se souvient de rien. Il se souvient pas de ce qui s'est passé. Alors soit ça veut dire que on lui a fait un lavage de cerveau assez incroyable, soit ça veut dire que tout ce que j'ai vu dans le tunnel était complètement faux et que c'était juste mon imagination qui me jouait encore des tours. Parce que là, Bradley ne se rappelle pas de tout ça apparemment. Donc c'est assez bah voilà, votre mémoire semble vous faire défaut. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. I have no memory of going down any tunnel. No, we were in the manor then then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital. And called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else.
Bon, là tu vois que mon personnage commence à sombrer dans la folie. Quand il y a des choses qui sont inexplicables, c'est là que tu vois qu'on rentre vraiment dans la folie et que on est en mode quoi, mec? Juste, on comprend pas ce qui se passe. Donc, l'officier Bradley se rappelle du coup de tout le manoir, de tout le passage dans le manoir, mais arrivé au tunnel, arrivé du coup dans le bureau de Sherlock Hines, c'est terminé. Il est juste rentré chez lui. Ouais, bon, très bien. Alors, on va parler un peu à Colden, tiens. Sarah Hawkins a été internée. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est un dossier qu'on a trouvé. Powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Alors pourquoi le docteur Fuller aurait du coup fait des expériences sur Sarah Hawkins et Francis Sanders? Bah certainement parce qu'ils ont une particularité, certainement parce qu'ils font des cauchemars étranges, certainement parce que Sarah Hawkins a fait des choses occultes. Enfin je sais pas, il peut avoir plusieurs raisons que le docteur Fuller veut obtenir des choses de ces personnes quoi. Fuller a fondé Riverside. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. C'est bien ça. Ça c'est une femme forte. C'est bien Mary Colden qui veut combattre le Dr. Fuller. Mais il faut absolument le combattre ce mec, il est taré. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui a vu toutes ces horreurs. Mary Colden était là, donc elle a dû les voir aussi. Les horreurs qu'il faisait dans son hôpital et que c'était pas du tout normal. J'ai vu des cadavres. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines. Allez, vas-y. Tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients. Oh, très bien. Guinea pigs. What I saw was more. On n'est pas totalement dans la folie, on n'est pas tout seul à avoir vu toutes ces machines de torture. Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. Mais I'm listening, Mr. Pierce. Pourquoi Bradley il est contre moi? Il est pas d'accord. Hein. On dirait qu'il protège le docteur Fuller. C'est vachement étrange. Ce qu'ils m'ont fait subir. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller. C'est vrai qu'il m'avait injecté un liquide. Everywhere. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas ils m'ont piqué. I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Ah, donc c'est des gaz hallucinogènes, le gaz vert qu'on pouvait apercevoir plusieurs fois. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe. Mais pourquoi tu le défends, Bradley? Arrête tes conneries. Et il veut vraiment pas croire ce que je dis, hein. C'est incroyable. On était tellement proches, Bradley. On a travaillé ensemble pendant des années. Comment tu peux me faire ça? Il est trop bizarre, Bradley. Moi, je pense pas que je sois fou. Je pense que c'est lui qui a un problème. I met a Francis Sanders. Do you know him? Le fameux Francis. Of course, he's a patient, or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins.
And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Alors, qu'a tué Mr. Sanders? Une sorte de crise. Il l'appelait le vagabond. Je me rappelle plus de ça. On va dire il l'appelait le vagabond. On se rappelle bien de sa mort, hein. On se rappelle bien. Ouais, il l'appelait le vagabond. I didn't see what, but something was there. Je me rappelais plus, hein, mais apparemment, c'est comme ça qu'il l'appelait. Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to Ah, c'était un collectionneur d'art, Francis Sanders. An art collector, you say? That's probably ah bah du coup oui, on comprend un peu la chose. You plan on having dinner at the Sanders household. Please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. Et il avait une femme. Très bien. Bon, on va pouvoir aller lui poser pas mal de questions du coup. Donc il était collectionneur d'art. Hein, donc ça veut dire qu'il y a une liaison par rapport à l'art avec Sarah Hawkins qui faisait des tableaux. Donc je pense que Francine Sanders lui a certainement acheté des tableaux. Et il y a eu un rapport avec ça, avec les tableaux, forcément. Puisque c'est le seul... C'est la seule liaison qu'on a entre eux deux. L'art. Mais après, pourquoi il dit que c'est de sa faute? Je sais pas. Bah, mieux vaut affronter la vérité. Affronter la vérité. Ouh, ceci affectera votre destin. Ah, donc là, c'était un choix important. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital. Très bien. I'll do my best. What can I do for you, sir? Bon, du coup, il y a beaucoup de paroles, hein, et très peu d'action dans cet épisode, mais c'est cool. Ça fait du bien, on en apprend un peu plus et c'est important, hein, c'est un jeu à histoire. Can I come in? You may. Madame. Elle est vachement classe. That is precisely. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Well, look who's here. Kat. Mais elle est partout. Elle est partout. C'est trop bizarre. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's. C'est vrai. Faut commencer à se poser des questions. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating France's death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Pourquoi elle fait comme chez elle, elle? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ouais, je trouve ça étrange. Je la trouve étrange, Kat. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi on la voit tout le temps? When you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. J'ai eu beaucoup de chance. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Alors. Comment était-il? Vous étiez présent lorsqu'il a eu cette attaque? Que s'est-il passé? Vous ne devez pas vous sentir coupable. Je vais pas dire ça. Elle se sent pas du tout coupable. Elle le prend même plutôt bien. J'aurais presque envie de sélectionner cette réponse. Mais on va pas le faire.
On va lui dire du coup la vérité, il est mort hurlant sous mes yeux. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. Ah non, 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 non. Oh non, non, t'aurais pas dû être là. Surtout pas. Oh non. How could this happen? Mais regardez, il parle encore d'institut réputé. Mais à quel moment cet institut est réputé? Did you not do anything to help him? Je comprends pas pourquoi toutes les personnes... Je sais pas, allez-y, vous verrez que cet institut a un gros problème. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi vous dites tous que cet institut est incroyable. Faut vraiment arrêter. Alors du coup, elle nous dit, n'avez-vous rien fait pour lui venir en aide? Ça aurait été un peu compliqué. Alors on peut faire un test d'éloquence. On va tenter le test d'éloquence. Je n'y suis pour rien. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital. Est-ce que ça va passer? By chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine. Ça a l'air de fonctionner. J'ai pas beaucoup d'éloquence en plus. Je crois que j'ai 2 points en éloquence. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Alors, bon. Vous a-t-il parlé d'un vagabond? Je pense qu'on va directement lui poser cette question. Je sais pas si on pourra sélectionner les autres après. Parce que finalement, oui, c'est pour ça qu'on est venu, hein. Si on arrive à avoir des informations sur le vagabond... Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. Ah oui, donc d'accord. Ah, il parlait déjà de ça avant d'être interné. With the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Ah, c'est une toile? Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ok, très bien. Donc, récapitulons. Donc, le vagabond est une toile de Sarah Hawkins. Très bien. Et on va pouvoir aller la voir dans sa galerie, parce que la toile est encore ici. C'est vachement flippant, parce que s'il dit que c'était la faute du vagabond et que la toile est quelque part dans cette galerie, j'avoue avoir un peu peur. Donc je comprends pourquoi il dit que c'est la faute de Sarah Hawkins. Si Sarah Hawkins a vendu cette toile du coup à Sanders, et que le vagabond a causé sa mort, bah si la toile a causé sa mort, je comprends pourquoi il est un peu Sarah Hawkins. Alors on va fouiller avant d'aller dans la galerie. Je sais pas où est la galerie, parce que je pense que là on n'est pas dans la galerie. Là on est encore dans le salon. On va fouiller un peu, voir si on trouve pas des informations. Il y a un piano. Bon, j'aime pas les pianos, ça me fait flipper. Alors ici on a une lettre. Lettre de refus. Très chère madame, j'ai bien reçu votre missive dans laquelle vous réclamez le corps de votre défunt mari. Je suis au regret de vous annoncer que je ne puis consentir à vous remettre sa dépouille. Vous avez signé lors de son internement une décharge m'autorisant à disposer de son corps de la façon que je jugerais la plus appropriée. Veuillez recevoir madame mes plus sincères condoléances, Thomas Fuller. Et forcément ça l'arrange, lui fait des expériences sur les corps. Donc forcément qu'il veut garder le corps, surtout que là il a de la matière quoi. Le jour où le vagabond est entré dans la vie des Sanders. Ah donc là voilà, regardez, on a le tableau ici. Oh, elle fait tellement la gueule, Sarah Hawkins. Une photo de Sarah Hawkins aux côtés des époux Sanders. Il devait être proche. Mais elle tire la gueule. Oh putain, elle a pas l'air d'être heureuse. Ah, on a un souvenir. Est-ce qu'on l'utilise tout de suite? Alors, attendez, je vais terminer de fouiller.
Le Bréviaire de la Santé. Ce second tome de cette série d'ouvrages couvre tout de la gangrène gazeuse à la néphrite des tranchées. En plus d'une étude précise et détaillée, l'ouvrage présente quelques théories d'avant-garde. L'incroyable complexité de ce livre le réserve aux experts de la médecine. Très bien, ça fait des points supplémentaires en médecine. Bon allez, on va regarder un peu ce qu'on peut y trouver ici. On va peut-être du coup se téléporter au moment où où ils ont offert le tableau, je pense. Ah, où Sarah Hawkins a offert le tableau. Enfin, a vendu le tableau. Parce qu'elle vend ses toiles. Francis Sanders et Sarah Hawkins were close. Francis Sanders et Sarah Hawkins étaient proches. Peut-être même amis. Elle me fait trop flipper, Sarah Hawkins. Elle me fait beaucoup trop flipper. A house of artists. Une maison d'artistes. Sanders. Le registre des acquisitions de Sanders. Il a écrit enfin juste à côté du vagabond. Finally. What did Sarah Hawkins? Que craignait Sarah Hawkins au point de refuser de vendre sa toile? Ah, donc Sarah Hawkins refusait de vendre sa toile et on a Sanders qui la voulait absolument. Vu qu'il avait écrit enfin. Ouais, je vous explique, vous avez compris. Hein, C'est vrai que je vous explique souvent ce qui se passe alors que vous avez juste à lire. Mais voilà. Et donc là, on a la toile. Ah, ça me fait flipper. Je déteste ça. Il a eu ce qu'il voulait. Sanders avait-il conscience de sa chute imminente? Elle est hyper flippante en plus, la toile. Oh là là. Mais pourquoi il était autant attiré par cette toile? C'est ça qui est bizarre. Psychologie. Elle méprisait Sarah Hawkins, mais c'est la toile qu'elle haïssait vraiment. Pourquoi? Mais elle a certainement ressenti que cette toile était peut-être maudite. Elle ne voulait pas que Sanders ait la peinture. Elle devait être dévastée. Alors là, la question que je me pose, c'est elle voulait pas que Sanders ait la peinture parce que elle voulait garder la peinture pour elle, ou est-ce que elle voulait pas que Sanders ait la peinture parce que elle savait qu'elle était maudite et que ça allait lui causer du tort? On sait pas trop en fait. Parce que peut-être que elle aussi, elle était attirée par la toile. Occultisme. Allons-y. C'était quoi ce cri? Oh! The Shambler. I need to see it. What the fuck? Il a perdu ses yeux. C'est pour ça qu'il avait du coup un bandana quand on l'a trouvé dans l'hôpital psychiatrique. Ah oui, donc cette toile est vraiment maudite. Ok, très bien. Formidable. Bon, attendez, on va tout fouiller. Du coup, j'ai pas fouillé les couloirs là-bas. Et j'ai cru voir une créature hein, passer lors de la cinématique. C'est passé très rapidement. Mais on a vu une sorte d'ombre. Oh putain, je suis... Ouais, on arrive à un moment dans l'histoire où je commence réellement à flipper par contre là. Entre ce qui s'est passé dans le tunnel avec Bradley, qui lui n'était pas au courant de ce qui s'était passé et qui avait complètement perdu la mémoire, et avec cette toile que Sarah Hawkins du coup a vendue à Sanders... Ça commence réellement à être compliqué. Voyons ce que ce cylindre nous chante une fois inséré dans un phonographe. Un enregistrement audio que Francis Sanders a laissé à sa femme Irène. Alors. Irène, j'ai fait une erreur. J'ai peur que ce soit trop tard pour moi. Nobody should enter. Except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him. Behind my eyelids. Each time I shut my eyes. C'est horrible. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. Gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. Bon, ça me rassure vraiment pas, j'ai juste pas envie d'aller dans cette galerie. Donc il avait absolument envie, en fait, il avait carrément envie de brûler la galerie, mais même lui, il osait pas revenir dans cette galerie. Tellement il avait...
tellement il était déjà dans sa folie. Je peux retirer? Je peux le garder ou pas ça? On va le laisser, d'accord, on peut écouter encore. Très bien. Bon. Formidable. C'est beau en tout cas, hein. C'est vraiment beau. Ah, regardez, il y a Kat. Ah bah oui. Elle était partie se diriger dans le bureau de Sanders. Donc là, on est dans son bureau. Une amulette ancienne, probablement amérindienne. Je me demande quelle pouvait être sa fonction. C'est pour capturer les rêves. Occultisme. Un flacon de somnifère découvert dans la demeure des Sanders. Avait-il été prescrit à Francis Sanders? Ou sont-ils à sa veuve? Je pense que c'était pour Sanders. J'aurais besoin aussi de somnifères. Non, Pierce, arrête tes conneries, putain, arrête. Vous avez tous envie de somnifères, en fait. Strange. Étrange, Sarah Hawkins a refusé pendant des mois de se séparer de son tableau pour finalement le céder gratuitement. Et donc elle l'a même pas vendu. Très cher Francis, je vous supplie d'abandonner tout espoir d'obtenir un jour cette toile maudite. Si notre amitié compte un tant soit peu à vos yeux, épargnez-moi le poids de la culpabilité. Je ne peux être l'architecte de votre chute, je vous en supplie, mon très cher ami, oubliez le vagabond. Votre ami, Sarah Hawkins. Donc voilà, donc là on a notre réponse du coup. Elle voulait pas garder la toile, elle voulait juste empêcher que Sanders soit... lui arrive du mal. Oui, non, mais c'est ça en fait. Elle voulait le protéger du coup. Très bien, on a notre réponse. Elle voulait le protéger de cette toile maudite. Très bien. Journal de la femme du révérend. Ce volume s'attarde sur la communauté du révérend Wickwood. Son épouse exprime son inquiétude concernant les étranges rêves que font les Y du révérend depuis leur arrivée sur l'île. Certains membres de leur communauté, son mari inclus, commençaient à parler de leur vision d'une entité qu'ils considéraient comme un envoyé de Dieu. Elle craint qu'ils ne subissent le même sort que la tribu disparue. Ok. Donc les cauchemars, hein, ça date de très longtemps. Hein. Même les premières personnes arrivées sur cette île cauchemardé déjà. C'est cette foutue île qui est maudite. Qu'est-ce que c'est? Mémoire sur une question anatomique. Il s'agit du travail d'un étudiant porté en livre. Bien que les observations soient pertinentes, elles manquent de l'expertise d'un médecin chevronné. Toutefois, les questions posées permettent d'imaginer de nouvelles voies d'exploration de l'anatomie humaine. Et on améliore pas mal nos statistiques là. On améliore plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Eh bien écoutez, on va améliorer investigation à fond. On va passer au niveau 5 du coup. Yes, ça me plaît. Alors si vous voyez que les points ont changé, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment j'ai dû recommencer le jeu pour revenir à cette partie parce que ma sauvegarde avait eu un problème. C'était hyper long et casse-couille. D'accord. On va utiliser la force. Clé de la galerie Sanders. Très bien. Mais là du coup on était obligé de réussir le test. Parce que si on n'a pas la clé, comment on fait? Je parle à Kat en dernier. Souhaitez-vous consulter ce livre? Pourquoi ce choix? Bah oui, je sais pas. Bah oui. Ceci affectera votre destin. Ah putain, c'était un choix important. Je m'en doutais un peu, mais j'avais vraiment envie de le lire. Malleus Bestiarium volume 2. C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses et inconnues. Je commence à croire qu'elles existent. Waouh. Ah, c'est vraiment cool. Ça me fait penser du coup au Necronomicon. Donc un encyclopédie des créatures. Des créatures un peu mystiques. Des dieux très anciens. C'est sympa en tout cas. Wow. Ah, j'avoue que j'ai eu peur. Ce bruit. Donc on a encore augmenté l'occultisme. On est à combien d'occultisme? Ah, on est toujours à 2. Ça prend du temps hein, pour augmenter l'occultisme et la médecine légale. Hein. Ça prend du temps. Très bien. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. C'est toi qui me suis. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Qu'est-ce que je viens chercher dans cette galerie? Est-ce qu'on essaye de mentir? On peut faire un test d'éloquence. On va tester l'éloquence. Je viens vérifier l'étoile pour un acheteur. Oh, ça va pas passer, je suis un détective. Non, on va pas faire ça. En fait, je ne viens pas pour vous causer d'ennui. On va essayer de sympathiser avec elle. Worry me. Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go.
But as long as you keep out of ah oui, my way, parce que vu que j'ai refait le jeu, il y a un moment en fait où j'ai pas pu... C'est vrai que je vous ai pas expliqué ça. Quand je vous l'ai dit, j'ai refait le jeu jusqu'à ce chapitre-là parce qu'il y avait un problème avec la sauvegarde et avec mon record. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis battu contre elle. Et donc c'est pour ça qu'elle me dit ça. Elle me dit, voilà, si tu veux pas reprendre un coup, calme-toi, quoi. And you. Donc il y a quelque chose qui change. C'est cool. I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. D'accord. She doesn't intend to hang around here for long. Ah ouais, donc en fait, elle vient juste pour se faire un peu de thune, quoi. There aren't many collectors on Darkwater. It needs someone. Elle va prendre un pourcentage sur les ventes des tableaux. And a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Très bien. Eh bien, écoutez, bonne journée, madame. Et donc là, on va rentrer dans la galerie. Très bien. J'ai des putains de frissons, bordel. On est dans la galerie, du coup, de Sanders. Ok. Oh non, on a la possibilité de se cacher. On a la possibilité de se cacher. Alors on va fouiller un peu. Ah. Ces pièces doivent dater de l'époque précolombienne. Alors c'est vrai que ça m'a l'air d'être des très 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 vieux artefacts. Enfin je sais pas si on peut appeler ça des artefacts. Oh là là là. Mais regardez, il a des statues avec la tête de Cthulhu. Il a des statues avec la tête de Cthulhu. Regardez, il est là. Cthulhu, c'est Cthulhu. C'est Cthulhu, il est là. Les tableaux font vraiment flipper. Ils ont bien bossé en tout cas les tableaux, parce que ça il faut le réaliser quand même hein. Faut le faire hein. Faut le dessiner, il faut le... Ah non, c'est pas mal. Ils ont bien réussi tout ça. Oh, elle est là-bas la toile. Il y a même des, regardez, des tablettes runiques. Pourquoi s'intéressait-il tant aux vieilles armes? Ben je ne sais pas. Non mais on peut se cacher partout, c'est abusé. Ok, on a de l'huile. Alors j'utilisais pas assez ma lampe. Il a transformé une aile de son manoir en galerie d'art. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est immense. Bon, allez, on va se diriger du coup vers... Ah, c'est encore de l'huile, mais dis donc, il y a de l'huile partout. On y va. Ah, c'est pour ça qu'il y avait de l'huile un peu partout. Pour voir dans le noir. Oh non mais te mets pas d'eau à la peinture. Et je comprends pourquoi Sanders est mort. Oh, regardez cette toile. Ah bah non mais là, d'accord, ok. Oh merde. Ah mais il est terrorisé, Pierce. Me dites pas qu'on va devoir échapper à ça. Oh non. What the hell was that? Elle est où, bordel? Mais je me barre. Oh putain. Je me casse. Et je peux pas me barrer. Et qu'est-ce que je dois faire en fait? Oh. Je peux pas l'utiliser contre elle. Ah. Au secours. Oh putain, c'est archi flippant. Et je peux pas l'utiliser contre lui. Et en fait je peux pas. Je pouvais pas taper, je pouvais uniquement me protéger. Oh
Merde. Alors, c'est rare qu'on meure, mais là, j'ai juste essayé de m'échapper, mais... Bon, déjà, on peut pas s'échapper, apparemment. Les portes ont l'air d'être protégées, je sais pas, par une sorte de... Je sais pas trop ce que c'est. Ah, peut-être que on va devoir utiliser la lampe à huile. Il y a certainement un passage secret ou quelque chose de caché. Mais après, c'est bizarre qu'on puisse prendre les dagues. Je pourrais utiliser cette dague. Bah ouais, mais cette dague sur quoi? C'est bien parce que je peux juste me protéger. Oh! Mais j'ai bien fait de remettre ma caméra. C'est vraiment le meilleur épisode. Ah, attendez, peut-être utiliser la dague sur le tableau. Attendez, j'ai une idée. Attendez, elle va venir vers moi, on va faire le tour. Je vais me diriger vers le tableau. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai d'allumer... Non mais on va pas allumer la lampe hein. Ah bordel, c'était ça qu'il fallait faire. Ah mon dieu, c'était... Damn it. Bon sang, avec cette dague ça ne fonctionne pas. Oh non. Va falloir utiliser toutes les dagues. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a énormément en fait de dagues. Je vais devenir fou. Mais je vais réellement devenir fou. Laisse-moi tranquille. Ah! Cette dague semble différente. Oh, c'est bon. Je crois qu'on a la bonne. C'est bon. En fait, fallait juste les prendre. Enfin! Bon, ça va, on est mort qu'une fois. Oh! C'est bon. Peut-être qu'il y avait la possibilité de les prendre, de les jeter et à chaque fois d'essayer. Sans aller jusqu'au tableau. Bien joué, Pierce. Eh ben écoutez, on n'a pas eu du tout d'action tout le long de l'épisode, mais à la fin, c'était vraiment pas mal. Oh non. What's the matter with you? Ah oui, donc on était complètement dans notre trip, quoi. On était complètement dans notre trip et il s'est rien passé dans la réalité. Formidable. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. C'est vrai que du coup, on était prêt à se couper la main alors qu'il y avait strictement rien. Alors je peux pas dire la toilette est maudite du coup. Oh mais ça fait chier. J'ai pas assez d'occultisme encore. Ben j'ai été attaqué par une créature. On va lui dire ce qu'on a vu. On va lui dire la vérité. On va essayer de lui faire confiance. Mais elle va pas me croire forcément. Vous n'avez rien entendu? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. Enfin, t'as mis du temps. I got in as soon as I could. Ah, la porte était bloquée en plus, donc la porte s'est bloquée derrière moi. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ben, elle est en train de m'aider. Très bien. Donc on va pouvoir garder cette dague. C'est vrai que si la dague permet de combattre le monstre, combattre l'entité, ça pourrait être fort utile. C'est qu'elle a des propriétés assez intéressantes et qu'il faut aller l'étudier. Et vous me livrez cette info gracieusement? Non, on va juste dire je dois interroger ce Drake. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Très bien.
Eh bien, c'est cool, on a appris beaucoup de choses en tout cas. On a appris du coup pourquoi Sarah Hawkins était liée à Francis Sanders. Et on a pu un peu voir que le tableau peint par Sarah Hawkins était maudit. Alors j'espère que c'est pas le cas avec tous les autres tableaux. Parce que sinon, on est dans la merde, hein. Sarah Hawkins, elle en a peint des tableaux. Elle en a peint. Bon, en fait, je pense que voilà, le alors, je vais pas dire le diable, mais l'entité démoniaque utiliser du coup les tableaux de Sarah Hawkins pour pouvoir sortir et pouvoir se retrouver dans le monde réel. Et donc c'est pour ça que Sarah Hawkins avait des visions, avait aussi des problèmes psychologiques. C'est qu'elle était tout simplement possédée. Très bien, et bah écoutez, on va s'arrêter là vu qu'on vient de terminer le chapitre 6, c'est parfait. Je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues, donc cette vidéo elle va durer 40 minutes. Je pense que je vais faire quelques coupures dans l'épisode, surtout à la fin parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la dague. Mais je vais essayer de faire des épisodes beaucoup moins longs, quitte à faire des coupures, parce que les épisodes de 50 minutes, c'est compliqué à regarder. Donc je vais essayer de faire des épisodes de 35-40 minutes, en vous laissant les moments importants, même s'il y a beaucoup de moments importants. Là, tout l'épisode était important, en fait. Mais ça va, heureusement que ce chapitre n'était pas très long. Très bien, bah, la prochaine fois, nous irons du coup à la librairie voir Algernon Drake pour lui poser un peu des questions sur cette dague, puisque ça va certainement être une arme qui va nous être fort utile pour combattre cette entité. Cette créature incroyable. Et voilà, donc on ira à la librairie sans nom la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Call of Cthulhu. Je vous dis à la prochaine. Salut.